Allez, salut tout le monde, c'est SilenceDark59 et on se retrouve pour l'épisode 23 de Final Fantasy X. And if I may, congratulations on your betrothal. Maester Seymour's people are expecting you. Take that road to go to Makarania Temple. This road leads to Beth. Ah merde, c'est pas le bon côté, je suis un abruti. Ah ouais. Mais faut pas te mettre en colère, hein. Moi, je suis gentil. Ça commence bien. Ouais, c'est pour récupérer ma vie, parce que j'étais dans le mode Sphéry et j'ai modifié mes compétences. Donc, Kimari passe aussi en magicien noir. Quoi, débute le magicien noir, parce qu'il y a que les pouvoirs, petits pouvoirs de magie noire. Alors lui... Merde, je crois que j'avais... Ouais, c'est pas grave, de toute façon je tape déjà fort. Alors c'est un monstre de glace et de feu. Est-ce que avec la foudre je peux l'éclater? On va vite voir ça en un coup. Yep. Ouais, par contre là, ça va être chaud. Chaud la écho. Non, un monstre de vent. Oh, merde, j'aurais dû faire la glace. Putain, ouais, ok. Ouais, ok. Je vais prendre Tidus, faut que j'augmente mes persos. Quoi, j'augmente mes persos. J'ai déjà un peu boosté, j'ai envie de dire. Ah ouais, 5000 de points de vie quand même. Ça commence bien pour un premier combat. Glace, feu, foudre, glace. On va essayer la glace. Bon, c'est le même coup, donc c'est pas grave. Putain, pédé. Bon, je suis un peu plus immunisé contre... Je vais voler, tiens. Ça aussi. Faut y penser de temps en temps. Ouais, j'ai gagné pas mal de trucs. Un globe de foudre, ça c'est pas mal. Je suis qui là? Je suis encore Riku. Est-ce que je peux voler deux fois? Non, on peut pas. Je m'en rappelais plus. Bon, bah voilà, je fais, allez, vas-y. Bac de l'eau, tiens, on va essayer. Ça, on va tester. Ah bah. Ok, ça monte d'eau et de feu. J'avais raison avec la foudre et la glace. Quand c'est comme ça, quand vous savez pas vous tester, hein, de temps en temps. On peut parler au monsieur là? Oui, oui, j'y vais. Donc là, on va aller jusqu'au temple. Et voilà. Puis je ferai le temple plus tard, hein, ou je sais pas qu'on verra. Là, je vais prendre Waka tout de suite parce qu'avec les deux monstres qui volent, ça me fait chier. T'as Waka, il est énervé. Oh bâtard. On va changer tout de suite. Je vais reprendre Riku. Et je vais voler le gros. Une potion de plus. Ouais. Oh putain. Ok. Waka, on va péter le petit PD là. Voilà. Mon Waka est très énervé. Je vais reprendre Tidus pour qu'il prenne l'XP surtout. Même s'il prend pas beaucoup de vie, Tidus, je veux te dire. Je prends Kimari. Yep. T'as mis Kimari 1000 points quoi. 1000 points d'attaque. C'est celui qui se booste le plus facilement. J'ai gagné des armes. Mais bon, les armes elles sont pas terribles en fait. Un coffre, une arme. Mais bon, comme Lulu, je la fais jamais taper en physique, parce que franchement, encore à corps, ça sert à rien. Ah merde, je redescends, quel bouffon. Oh merde, j'ai fait le boulet, là. La caméra, elle m'a induit en erreur. Je crois que je venais d'en haut, merde. Quel boulet. Voilà, monstre de glace a priori, donc bah, le feu, hein. Du brasier, ça va marcher. C'est pas des monstres de feu? De glace? Ah bon. J'étais persuadé. Ah, c'est des monstres d'eau. Bah, petit bâtard. Je perds Waka là. Oh putain, je morfle. Je morfle, je morfle. Je peux pas prendre Tidus, c'est une épée d'eau. Je suis niqué. Faudra que je change les armes.
Donc c'est des monstres de... Ok, bah de la foudre alors. Ah ouais, ça marche déjà mieux. Je vais prendre Riku. Je vais revoler. Parce que Riku, si ça sert à rien de frapper avec, vous allez rien prendre. Hein. Putain. L'énergie qui lui pique, ces bâtards. Oh là là, comment je suis faible, sérieux. Faire frapper Yuna. Juste la faire frapper. Hein. Ouais, 15 points de vie, c'est cool. 15 points de vie, c'est cool. Ouais. Par contre, la Lulu, elle est trop balèze. Je suis con parce que j'ai mis Kimari en magie sa noire et j'ai pas utilisé sa magie noire. Donc voilà. Ah, faut que je change mes armes. Équipement, hop. C'est surtout pour Tidus. Parce que j'ai mis une arme d'eau normalement. Putain, par contre, il est pas marqué c'est une arme de quoi ou une arme de quoi. Ah si, attaque haut. Est-ce que j'ai une bonne épée? Ah, j'ai Baroque, mais bon, ça me fait chier quoi. Putain, ma meilleure épée c'est l'épée d'eau alors. Puis là, elle est inutile. Bon, je vais mettre le dernier. Je vais voir si j'ai pas un demi-haut en. Non, j'ai pas. Regain de HP, on s'en bat la rate. Défense physique. Non, putain. Lui, il y a quoi? C'est quoi son truc? Non, ça va. Demi-tonnerre. Putain, j'ai pas un truc pour la flotte, sérieux? Tonnerre, tonnerre, tonnerre. Putain, j'ai que pour le tonnerre, quoi. Attaque physique. Je regarde s'ils ont pas d'attaque physique haut. Attendez, oh, obscurité. Non, c'est bon. Hop, c'est bon. J'ai juste changé l'arme à Tidus du coup parce que ça sert à rien. Et je vais me mettre de l'énergie. Si je peux éviter de me taper ces monstres plusieurs fois, ça m'aiderait. Parce que 800 points de vie, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal de s'en prendre plein la gueule. Il y a de la thune. Bon, la thune, je suis blindé, je suis à 74 000. Bon bah Yuna c'est juste pour le plaisir, voilà. C'est qui frappe, c'est Lulu, allez hop. J'ai dit la foudre, c'est ce qui marche. La foudre et la glace, vous avez le droit. Du clos, voilà. Et maintenant on va attaquer avec les gros monstres, avec les gros monstres. Non, je vais reprendre Riku. Et il faut faire gagner des déplacements à tous mes persos, hein. Je suis désolé mais... Ah, j'ai gagné un objet, je sais pas quoi. Avec tous mes quelques-uns qui vont frapper plutôt. On va voir si Tidus tape plus fort mais du coup avec son épée normale. Ah ouais, c'est déjà mieux. Et pour finir, je crois pas que c'est la fin même. Normalement ouais, je peux mettre des caractéristiques sur mes armes mais il faut que je le fais avec Riku et j'ai pas envie de vous casser les couilles avec ça. Du coup, je le ferai peut-être pendant ma sauvegarde et puis voilà. Et je sais plus qui doit frapper. Putain, fais chier. Lulu est en mauvais point. C'est déjà la merde. C'est la merde, c'est la merde. Allez, Loulou. Éclaire-moi cet enculé. Voilà. Je crois que Waka y a pas frappé, mais c'est pas grave. Bon, là, vous risquez de me voir souvent dans les options. Bah, pour mettre de la santé, hein, bien sûr. Parce que je suis bien obligé de me mettre de la santé de temps en temps. Parce que sinon, je vais me faire défoncer la gueule. Parce que je crois que j'ai pas beaucoup d'objets pour me réanimer. Parce qu'à un moment, je me suis bien fait des boîtes. Ah, il y a trois monstres. Ah, bah ça commence bien. Allez, épaule poison. Enfin, ça va, immunisé, je crois. Je prends Waka tout de suite. Pour niquer la guêpe, là, la con. Donc la guêpe, casse-toi. Hop. Ça qui te frappait, salut lui. On va prendre Tidius. Lui c'est pour le petit. Voilà. Et Aaron c'est pour le gros. Voilà. Mais oui, t'as raison. Je viens de par où? Enfin, je viens de par là. Est-ce que c'est chiant ce que là? En plus c'est une ligne droite donc normalement c'est pas très compliqué. Mais je suis le seul gars au monde à pouvoir repartir tout le jeu en arrière. Quoi. Putain, il m'énerve cet enculé. Enculé de monstre à la con. Tiens, mange.
Tiens, je vais faire son overdrive, tiens. Élément, non, je vais pas faire élément. Non, non, je fais pas. On va faire frapper normalement. Voilà. Et Ron aussi. Voilà. La foudre, c'est pas grave. Je suis immunisé contre le seul pouvoir où je me prends pas trop de dégâts. Je vais prendre lui tout de suite. Magie noire. Hop, la foudre. Un coup de foudre. Allez, un petit coup de foudre, allez, hop. On va prendre les coups, hop. Je pourrais aller plus vite, hein, si je veux, tranquille, quoi. Mais bon, comme j'ai dit, comme je suis encore loin de la fin, si je fais voulu que 4 persos sur les 7, ça va pas le faire. Qui m'arrive, je crois. Attendez. Ouais, je crois. Ouais, c'est bon. Je vais tous les frapper. Quand c'est ce monstre-là, faut tous les faire frapper. C'est très très important. Que de phénix, ça va, ça c'est cool. Au cas où si je me fais déboîter la gueule. Ça peut arriver, hein. Ah putain, je m'attends tout juste pour montrer à la con. Non, non, non. Quand j'aurai magie X, ce sera encore mieux. Parce que là, le monstre, tu le déboîtes en deux coups, quoi. Mais bon. Allez, tape, avec ta foudre, c'est cool. On va déjà prendre Yuna. Les plus petits d'abord. Hop. Par contre, Lulu, je continue à frapper avec, hein. Ça c'est clair et net. On va prendre Rico. Hop. En fait, je pourrais me passer de Rico si je veux, hein. Parce que franchement, c'est le bonhomme le moins intéressant du jeu, quoi. Parce qu'elle a pas de patate. Et elle a... Pff, elle a rien en fait. Elle a rien pour elle, cette fille. Quoi, c'est la pauvre fille du jeu, quoi. Tu vois, c'est le personnage qui sert strictement à rien. Mais bon, je la fais quand même monter de niveau, on sait jamais. Ouais, non, c'est Yuna, le copain, il est là. On va faire ça de temps en temps. C'est utile. De toute façon, à chaque point de sauvegarde, vous récupérez votre HP et vos MP. Oh bah voilà l'autre débile. You have you seen Donna? Donna? Can't say I have. What's up? We got separated on the way here. Damn it all! I've gotta find her. Calm down. But. If anything happens to her... Running around in a panic is not going to help. Right now, you have to keep cool and search. But... Guard your emotions, then guard your summoner. You're right. Shall we search? No, I've... taken up enough of your time. Thank you, Sir Aran. What's up? Oh, I just wanted to wish him good luck. Ouais, on sait pourquoi, mais on va pas vous le dire. Bah, faut pas spoil trop non plus, hein. Mais bon, ceux qui ont suivi l'esprit savent pourquoi. Allez, hop, Waka. C'est le petit. Et Ron, c'est le gros pépère. Voilà, ça c'est un combat bien mené.
C'est vrai que j'ai pas encore eu ma petite invocation chérie Shiva, mais j'attends de la voir bien sûr, et j'ai hâte de la voir. Alors, rebelote, bah, j'ai déjà les trois bonhommes qu'il faut, donc c'est parfait. Donc, 1, 2, et 3 soleils. Un petit tour et puis s'en vont. De toute façon, dès que vous avez compris le gameplay, quoi le gameplay? Le gameplay est pas compliqué, mais dès que vous avez compris les fondamentaux du jeu, ça va. A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. Alors, chasse aux papillons. Approchez-vous du papillon qui change de couleur pour faire apparaître des papillons rouges et des papillons bleus. Ok. Les papillons rouges font apparaître des monstres quand on s'en approche d'eux. Mais si vous attrapez ce papillon bleu, faites vite. Car ils disparaissent au bout d'un certain temps. Attraper les papillons bleus tout en évitant les papillons rouges. Et si on s'en branle? Ça va? Je retourne en arrière? Parce que ça c'est pas précisé. Ah, faut retourner en arrière, ok. Ah mais putain. Ça c'est encore un rouge. Encore un rouge. Ah putain, j'étais au dernier. Je crois pas. On va refaire. T'as pour un, j'étais juste au dernier quoi. On peut plus refaire? Oui, tu viens de me le dire, je vais le refaire. Vas-y, remets-moi un papillon s'il te plaît. Plus papillon? Oh merde, j'ai raté. Il en donne pas? T'es sérieux? Ah bah faire enculer alors. Non mais je vais repartir et je vais revenir, je vais réessayer. Si je peux, si je peux. De toute façon, on s'en fout, on a le temps. Hein. Allez, et là je vais saquer. Promis. Déjà le premier. Non le premier c'est. Un. J'appuie, mais il prend pas en compte. Deux. Je les compte comme ça, moi je sais combien j'en ai. Toujours 3. Oh merde, c'est un rouge. Putain, j'ai même pas pied. T'as pied costaud cet enfoiré. Vas-y, mais crève, abruti. Tu m'as interrompu pendant ma chasse au papillon. C'est honteux. PD, ouais. Surtout que j'ai même pas appuyé sur le bouton pour le prendre, quoi. C'est honteux. Ouais, mais ça fait que 4. 5. Allez, 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 allez. Allez, allez, encore deux. Encore un. Yep, c'est bon. Ah, il va me redonner un combat, c'est pas possible. Et j'espère que mon coffre il va pas se barrer. Allez, on va aller au plus radical parce que j'ai pas que ça à faire. Je fais putain, je fais de la foudre alors que c'est un monstre de foudre quoi. Ah non, parce que je me disais. Non, c'était de l'eau. Ouais, j'ai bu. Bah ouais. Ah, j'ai pas compris là. Alors...
putain, m'a tapé au corps à corps, tiens. Bah alors? Il a des plus puissances, cet enculé, là. Ta méga souffle, ça va faire mal. Ça va faire mal, pas faire mal. Oh, ça va encore. Ouais, on va faire mon 20 drive alors. Ah, foutre, ça marchait tout à l'heure, là ça marche plus. Ok. Alors, on va tourner la manette, attention. Allez, hop, 9. C'est bien 9. Voilà. Ouais, peut-être parce que c'est le mini-jeu qui est plus fort. Parce que tout à l'heure, il était pas aussi fort. Ah, est-ce que j'ai gagné un truc intéressant? Une sphère! Oh, super, je suis trop content. Pour gagner ça, autant mieux rien gagner. Du coup, je dois refaire la route. Ça, c'est sympa aussi. Il aurait pu me remettre où j'étais au départ, mais c'est pas grave. Surtout que je risque de me remanger un combo. Ou pas, ce serait sympa. Le mec s'est barré, parce que j'ai réussi son truc à la con. Mais bon, pour une sphère MP, voilà, c'est pas. J'aurais pu m'en passer. Mais bon, pas grave, on continue la toute petite route, tranquillou. Moi je dois monter, voilà. Ah putain, à peine arrivé, il me faille déjà la gueule. Il y a une carapace, je sais pas si ça va marcher. Ou si ça marche, parfait. Par contre là... Je commence à manquer de MP avec ma petite Lulu, ça sent pas bon. Ah oui, j'ai gagné aussi magie plus. Quoi, soin plus. Ah, il y en a assez, voilà. Ça, c'est vrai. Je vais essayer de saquer un peu parce que j'ai pas envie que l'épisode dure 3 plombes. Donc on va avancer, on va avancer. Là, si je peux refaire, je crois, le papillon bleu. Papillon bleu. Voilà, je t'ai frappé. Ah, c'est qu'est-ce que je me disais. Je tape bien plus fort là. C'était pendant le mini-jeu que je tapais moins fort. Ok, ouais, c'est ça. Je me disais aussi. Hein. Je vois pas comment il fait l'attaque. Je vais me prendre Tidus parce que j'ai l'impression que Lulu elle commence à fatiguer niveau pouvoir. Ah, je vois même plus. Merde. Oh bah tiens, 800, ça c'est cool. Ah bah 800, ça c'est cool. Faut taper tout le temps comme ça, Tidus, ça m'aiderait. Pas le prendre, on s'en bat la rate. C'est pas grave. Ah, par contre, les combats, ils vont vraiment mettre la dose, là. Oh putain, ils vont mettre la dose, là. C'est des monstres de quoi, déjà? Je me rappelle plus, déjà. Merde. Je sais même plus c'est des monstres de quoi. Oh, merde. Ah, je suis con. Je me rappelle plus c'est des monstres de quoi. C'est des monstres d'eau, je crois. Ah, je me suis trompé, quel boulet. Je dis que c'est monstre de cité, je prends la glace, moi, quel con. Ah, erreur tactique. On va reprendre Yuno, hein. Ah, par contre, ça c'est chiant, je me cours tout le temps. C'est à foudre, ouais, bouffon. Je vais pas taper sur lui tout de suite, comme ça il y a encore toute sa vie. Moi je vais le griller, voilà, en un coup. Pas à terre. Ah bah Tidus, allez. Qui prend un peu de points comme ça. Oh putain, j'y crois pas. On va re. On va faire Riku, tiens. Je vais un peu économiser mais ma magie parce que là je commence un peu à pas être top top quoi.
niveau MP. Ouais, Kimari pas tapé, mais c'est pas très grave. Il est déjà bien boosté, Kimari, je trouve. Dire qu'il y avait encore quelques persos, je trouve qu'ils sont pas encore assez boostés. Quand ils ont pas la patate que j'espérais avoir. Putain, fais chier, sérieux. Donc hop, moi je vais prendre Lulu tout de suite, hein, parce que si je peux en virer un, ça m'arrange. Ah ouais, il me reste 44 MP quoi, putain. Ça commence à être short. Je vais faire le petit, tiens, on va voir combien ça prend. 800, oh, il avait justement assez, c'est bien. Faire compétence, hop. Moi, j'ai plus grand chose à vous dire, donc c'est pour ça que j'en parle un peu moins, mais c'est pas grave. De toute façon, le but c'est de suivre l'épisode, je veux dire. C'est de suivre le jeu tranquillou, posé. Voir un petit café ou une petite cigarette si vous fumez, bien sûr, même si c'est pas bon. Mais comme je l'ai dit souvent, je suis pas votre père, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Allez, hop, on va faire ma petite mon petit truc à la con. Mon petit truc à la con. Bon, Lulu, on va pas te faire frapper, tiens, sur ce round là. Je vais prendre Tidus et on va attaquer comme des porcs à 3. Kimari, putain, il y a pas mal d'MP en fait. J'ai pas capté. Quoique maintenant je peux me servir de Kimari, hein, vu que j'ai la magie noire. Vous voyez, hop. On peut faire la foudre. Hein. Bon, je pense pas que ça doit apporter grand chose, mais on va essayer. Ouais, voilà. Mais ça peut toujours être utile contre les monstres. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas pensé, mais c'est vrai. Donc ça va faire mal. Ouais, j'avais dit. On va prendre Yuna tout de suite. Comme ça, Yuna, elle aura frappé. Parce que quand vous faites la magie dans les menus, ça compte pas. Hein. Ça compte pas, elle prend pas d'XP. Hein. Donc pour ça, si vous pouvez le faire en jeu, c'est encore mieux. Bon, Yuna va cliquer, on va prendre Riku. Bon, Riku, je fais voler parce qu'il y a le trophée 200 vols. Donc si je peux un peu le faire en même temps que je joue avec vous, ça m'arrange. Même si je suis pas un chasseur de trophées, mais bon. Si je peux gagner un peu de trophées dans mon jeu pour faire joli, voilà quoi. On va faire taper Waka. Waka, je garde son truc au cas où, s'il y a un boss, ça peut toujours servir. Son overdrive. Et faut pas dire, mais j'ai bientôt 30 minutes de jeu et j'ai pas encore arrivé à ce temple. C'est tout droit. C'est pas grave. Les papillons s'en foutent un peu. Je sais pas si je peux tout le temps les faire, mais je m'en fous un peu en fait. Je pense que je suis arrivé. Bah voilà. Donc j'espère, voilà, cet épisode il sera un peu zarbi parce que ce sera que du la ligne droite, il n'y a pas eu grand chose, pas de discute, rien du tout. Mais bon, pour cet épisode 24 ou 23, attendez, 22, 23, ouais, non, l'épisode 23, donc j'espère que cet épisode 23 vous aura plu. Bon, il y a eu du combat mais, et de la chasse aux papillons, mais à part ça, voilà. Mais on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut les potos, prenez soin de vous et à la prochaine, tchuss.